Tout ce qui est bon dans la vie mérite qu'on en abuse. La modération, c'est pour les lâches. Et si ça plaît pas à quelqu'un, qu'il vienne me le dire en face. Quand il s'agit de coller des pains, je suis aussi un as. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog un peu spécial puisque ce sera parce qu'il ne s'agit pas d'un vlog Mindbeat à proprement parler. Certains d'entre vous le savent, je suis à Megève pour faire une saison comme je fais depuis pas mal d'années, que ce soit ici ou ailleurs. Et je me suis dit que peut-être que vous n'avez jamais vécu ça, que ça pourrait être intéressant puisque c'est une ambiance plutôt cool et hyper stressante à la fois. On est le 30 décembre, donc veille du jour de l'an, juste... Demain, je suis pas sûr de pouvoir filmer. Du coup, je préfère vous filmer ce soir qui va forcément être une grosse soirée. Je bosse au Delicium, donc c'est à Megève. C'est un restaurant italien hyper cool, franchement. Pour un petit dîner comme ça en amoureux ou alors une petite brinque jusqu'à 2h30, 3h du matin, c'est vraiment cool. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, ah ça! Vous me demandez pourquoi j'ai ça là? C'est pas joli, hein? Ben, en fait, j'étais sur une terrasse et puis j'ai fait pouf. Et là, t'as le champignon chauffant. Tu sais, le champignon chauffant. Voilà. Et la légende dit qu'il y a encore mon bout de peau qui est sur le champignon. Voilà. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai une gueule de merde, bah ça, vous demandez à mes parents. Hein, je suis pas responsable. Allez, on se retrouve. Bah déjà, c'est pas mal, on se retrouve, d'accord? Donc on se retrouve. On le voit pas du tout. Tu me filmes pas moi? Non, toi t'es pas très joli. Alors là il y avait deux chefs de rang. Ça c'est Benjamin ça. Mais en fait, et toi mon lapin? Ça c'est le chef Calou ça. Alors on a la chaudière. Et vous êtes au courant que ça va être sur YouTube ou pas? T'es au courant qu'on comprend rien à ce que tu dis? Ouais, et bah au cas où t'as pas marqué, je suis défoncé, d'accord? Non mais c'est pas ça, mais on a un message précis, tu vois, c'est... Non, sans blague, fous ta cagoule. Sauf qu'on est en 2016, les gars. Et en 2016, y'a personne qui ne met de cagoule. Ok? Donc c'est mon vlog, on passe au plan d'après. Il est 3h30, je viens de rentrer chez moi. Bon, comme vous avez pu le voir, c'était une soirée de ouf. C'était vraiment très très cool, grosse ambiance et tout. Sauf qu'à la fin, j'ai eu un petit problème. C'est-à-dire que j'ai une de mes super potes, une de mes meilleures potes même, qui a mis son verre sur ma platine en fait, et je me suis retourné, je l'ai pas vu et voilà, j'ai fait tomber un verre d'alcool sur ma platine, donc je pense qu'elle fait la gueule. Je l'ai retourné, j'espère juste qu'elle marche, elle marchera demain soir parce que c'est le nouvel an. Voilà, le vlog se termine pas là. Si, malheureusement, c'est la fin de ce vlog. Voilà, je sais que sur Twitter vous m'avez dit que la durée optimale d'un vlog était 9 minutes.
Le problème c'est que si j'avais combiné... Le problème c'est que si j'avais combiné... Oh putain. Combiné les deux jours, j'aurais dépassé les 12-15 minutes. Et ça, je sais que vous aimez pas beaucoup. Donc voilà, et en plus, j'ai envie de laisser un peu de suspense. Non, de suspense par rapport à ma platine. Est-ce qu'elle va remarcher? Est-ce qu'elle va pas marcher? Voilà, donc vous aurez la réponse demain quand vous regardez ce vlog. La journée du 31 sera en ligne le lendemain. Voilà, c'est un petit truc que j'ai envie de tester. Bref, j'espère que ça vous a quand même plu, les copains. Et puis, on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Allez, ciao tout le monde.